Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter Valoir et Valmeunier, le domaine de Valoir et Valmeunier. Allez, c'est parti! Et oui, j'ai eu l'occasion lors de mes vacances d'aller à Valoir, où j'ai pu loger à Valoir dans une résidence Lagrange. Alors Valoir, c'est vraiment un grand village, et ils se sont mis avec Valmeunier, qui est aussi un grand village, pour faire un domaine skiable énorme qui va du premier petit village au deuxième petit village. Donc c'est un village qui vraiment représente bien la montagne. On voit bien qu'il y a des chalets en bois. Il y a surtout beaucoup de vie, il y a des descentes en flambeaux, il y a des événements tels que la sculpture sur glace. Mais il y a surtout quelque chose de très important et qui reste quand même l'une des choses principales de Valoir et Valmeunier. Leur domaine skiable. C'est leur domaine skiable qui est vachement grand, qui propose beaucoup d'activités telles que le snowpark, les border cross ou encore tout un tas de choses. Je voulais vous présenter rapidement une petite vidéo que j'ai faite pour vous présenter Valoir et Valmeunier. Allez, je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Comme vous pouvez le voir, Valoir et Valmeunier, c'est vraiment une grande station qui propose beaucoup d'activités différentes sur les sports de neige, le sport de neige, les sports d'hiver du coup. Donc bien sûr, il y a le ski et le snowboard, enfin le snowboard, qui est quand même quelque chose qui est primordial, enfin, qui est bien présent dans la station, vu que c'est une station de ski et donc de snow. Mais vous pouvez voir aussi qu'il y a des descentes en kart, des pistes. À la fin de la journée, vous pouvez descendre en kart les pistes, quelque chose d'exceptionnel. J'ai jamais vu ça sur une station de ski. Vous pouvez aussi faire de la balade en traîneau avec des chiens de traîneau. Ça aussi, c'est vraiment magnifique. Vous passez vraiment dans des paysages très très beaux, et ça change un peu du ski habituel. Vous pouvez aussi faire de l'ULM, avec départ sur la neige et arriver sur la neige. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très beau. Et puis, vous pouvez bien sûr acheter vos souvenirs, et bien sûr acheter du fromage.
Le fromage, je vous conseille, pour ceux qui sont à Valoir, parce que Valmeunier, je ne sais pas, j'étais pas été à Valmeunier, mais pour ceux qui sont à Valoir, je vous conseille très fortement de vous y préparer et de commander assez tôt votre fromage et de venir le chercher assez tôt, soit dans la semaine, soit dans le matin, parce que beaucoup de monde viennent chercher leur fromage en même temps et donc ça fait qu'il y a une queue énorme pour venir chercher le fromage à la fromagerie de Valoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Les Aventures de Maxou. Ciao!